enlève la séance. Parce que le Premier ministre veut se faire accompagner de tous les ministres impliqués dans la question. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas pu l'accompagner, donc, le Premier ministre souhaite un report, je dirais, de cette séance. Et il nous promet qu'il se fera accompagner de tous les ministres qui sont impliqués dans la gestion de la crise. Donc, ce report est abordé, monsieur le Premier ministre. D'accord. J'aurais souhaité que ce soit au plus tard lundi qui sera combien ? Lundi 16. Je ne sais pas si le ministre est d'accord avec nous. Pour qu'on puisse évaluer les instructions que j'avais déjà passées pour la mise en œuvre de mesures au niveau du système de santé. Donc, on devait aujourd'hui à 3 heures évaluer la mise en œuvre de ces mesures. Donc, c'est à cause de cette invitation qu'on a reporté notre réunion qui a été programmée pour aujourd'hui. Donc, je souhaite que la réunion d'évaluation se tienne au niveau du gouvernement d'abord. Et puis, on sera mieux préparé pour avancer et résoudre définitivement. La date de lundi 16, ça vous dit. Donc, on verra avec la commission. La commission à la réunion. Mais on va voir rapidement comment faire avec la commission. Il y a une aide qui baille à la population sinistrée, il y a des gens qui ont délogé, qui ont mis de l'autre côté. Bon, selon le rapport que nous avons, c'est que nous avons des cas dans la Tibonite, Gonaïves, Saint-Marc, nous avons Baradère. Nous avons gagné tout le département sud-est qui était touché. Nous obligés de faire intervention un peu partout à travers le territoire. La convocation à l'extraordinaire, c'est sur la base d'un message du président de la République que le fait. Donc, je ne vais pas éviter de parler de décision qui vient d'abord pour passer en Conseil des ministres et ensuite pour nous arriver. Et le président. Ça, non. 14 mai, son date qui écrit en dedans accord 5 février 2016. Là. Mais il y a en pile date qui écrit dans accord 5 février 2016. Là. Et depuis le jour que nous avons présenté politique générale, moi, dans le Parlement, nous avons rendu compte que nous avons une difficulté pour respecter la date qui prévu dans l'accord. Et comme nous avons toute date, nous avons une difficulté pour nous respecter la date. Nous ne pouvons pas respecter 14 mai. Nous ne connaissons pas qu'à respecter 14 mai parce que 14 mai, c'est une date pour installer un président élu. Pour installer un président élu, il faut faire des élections. Pour faire des élections, il faut convoquer le peuple en ses commissions. Pour convoquer le peuple en ses commissions, il faut gagner un gouvernement. Pour te gagner un gouvernement, faut te gagner un CEP, pour te gagner un CEP, faut te gagner un gouvernement. Date pour te convoquer le peuple en ses commissions, c'est le 24 mars, si tu veux faire élection le 24 avril, c'est le 24 mars que je t'ai présenté politique généralement ici. Et c'est pour ça que je t'ai déclaré, depuis le 24 mars, là, n'a pas respecté l'accord là, dans différents points que le gagne, pendant que nous n'avons pas pris engagement que nous n'avons pas respecté. Donc cela veut dire, dans l'accord là, il y a une organisation deuxième tour élection, nous tient pour nous organiser, et puis il y a la transmission du pouvoir à un président élu que nous tient pour que transmission ça. 14 juin, ça dépend de l'Assemblée nationale.